Bonjour à tous. Le livre que j'ai écrit aux éditions Guérin, qui sort donc dans 2 jours, c'est une enquête journalistique qui tente de poser un petit peu le cadre dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Il y a une évolution qui est extrêmement rapide, qui évolue de saison en saison. La bascule pour moi se fait à partir de 2016 et en 2019, vous vous souvenez tous de cet émoi international qui a couru dans tous les médias, cette file indienne de candidats au sommet, 2 à 300 personnes faisant la queue au Rosso Hilary. Un jour de mai. Ce jour-là, c'était le 22 mai 2019, il y a 223 personnes qui vont au sommet. Le lendemain, le 23 mai, il y a 359 personnes qui vont au sommet. Cette année-là, c'est une année record, on a eu 858 personnes au sommet, dont 460 Sherpas. Donc il y a cette visibilité d'une affluence qu'on n'imaginait pas sur les sommets de 8000 mètres. Et puis, dans le même temps, il y a le record de Nims Dai, de Nirmal Purja, qui fait la même année. Ce Népalais devenu britannique croque les 14 8000 en 6 mois. En parallèle, il en fait une exploitation médiatique absolument énorme, puisque le film qui va être réalisé sur sa performance va être diffusé par Netflix et va avoir un écho international absolument énorme. Donc on a d'un seul coup une mise en visibilité de quelque chose de totalement inédit à l'Everest. Et puis on se rend compte dans les années qui suivent, et encore ces dernières années, que le phénomène touche d'autres sommets de 8000 mètres. On a en 2022 plus de 200 personnes au sommet du K2. Ce sont essentiellement ou quasi exclusivement des clients d'expéditions commerciales. Ils sont 200 au sommet. Pour vous donner une idée, au sommet du K2, il y avait eu 377 personnes au sommet entre la première de 1954 et 2021. 377 de 54 à 2021. En 2020 et en 2022, ils sont plus de 200. Donc il se passe quelque chose d'incroyable. On a vu Nirmal Purja, on se demande, c'est un mutant, c'est... Et en fait, on se rend compte qu'il est sans doute très fort, il est très fort, il a su parfaitement médiatiser et mettre en valeur sa performance, mais surtout, il est le fruit d'une évolution majeure qui est celle du développement et de la... d'une technique d'ascension de ces 8000 qui est mise en place totalement aujourd'hui par les Népalais et qui est vraiment en droite ligne la descendante des techniques d'ascension qui ont été inventées par nos aînés au tournant des années 90 avec les premières expéditions commerciales. Donc dans mon livre, ce que je raconte, c'est que finalement, cette période-là, moi j'appelle ça le sixième âge de l'alpinisme. J'ai tenté de reprendre les travaux des uns et des autres qui racontaient les grandes étapes de l'histoire de l'himalayisme depuis la fin du 19e. Et là, depuis 10 ans, on est entré pour moi dans le sixième âge et j'appelle ça l'himalayisme commercial industriel. Donc mon livre, il porte exclusivement sur... l'himalayisme commercial. Il ne s'agit pas ici de traiter de la performance et du haut niveau. On parle bien de cet himalayisme qui consiste à payer de 30 à 300 000 dollars, de 30 000 à 300 000 dollars son ticket d'entrée pour faire l'Everest. C'est un peu moins cher pour les autres 8000, mais le phénomène est en marche sur tous les 8000. Ouais. Et là où on comprend, c'est vraiment la grande démonstration que la capacité de pouvoir enchaîner comme ça les 8000 de manière avec un taux de réussite qui aujourd'hui dépasse les 70% à l'Everest. 70% des gens qui ont acheté leur expé vont au sommet. C'est pas du tout les qualités physiques d'un Nims Dai, puisque en 2022, il y a une jeune Norvégienne qui s'appelle Christina Hella qui fait, elle, les 14 8000 en 3 mois. Ça veut dire un 8000 tous les 5 jours. Un 8000 tous les 5 jours. Elle a quelques années d'alpinisme derrière elle.
Elle a fait le Kili, elle a fait le Merapic, voilà. Et elle fait les 14 000 en 3 mois. Derrière elle, il y a une énorme machine qui est l'agence leader qui s'appelle Seven Summit Trek, qui est déjà derrière le record des Nimsdai et qui est suivie d'une série, d'une dizaine d'agences népalaises qui sont très fortes. Elles sont aujourd'hui une quarantaine à peu près hein, à opérer sur ces grands sommets. Et elles atteignent un degré d'excellence, de préparation, de logistique, de maîtrise de ces voies normales des grandes montagnes qui leur permettent d'avoir comme argument commercial 100% de réussite. On vous monte tous au sommet. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'hésitent pas à dire. Donc, derrière ce sixième âge de l'alpinisme, il y a donc cette petite révolution qui est mise, qui est la prise en main et la prise de contrôle du business par les Népalais, essentiellement des Sherpas, mais pas que. Et ça, c'est pour le commercial. Et puis, symboliquement, ils clament à la phase du milieu international leur prise de contrôle en réussissant en janvier 2021 la première ascension hivernale du K2. Pour la première fois, une grande première, c'est la dernière qui restait à cocher sur un 8000, puisqu'il n'y avait eu aucune première népalaise, aucune première hivernale népalaise, et une première sans axe de lox, je crois, qui est népalaise. Mais là, en janvier 2021, il y a 10 Népalais qui s'associent. Ils sont ensemble et en 3 semaines, ils plient cette hivernale qui résistait depuis 30 ans, notamment aux Polonais. Et ils le font comment ? Ils le font avec leur méthode, celle qu'ils utilisent avec leurs clients sur les 8000, c'est-à-dire un usage systématique de cordes fixes, de l'oxygène, une logistique supportée par hélicoptère, une excellence dans la prévision météorologique, une excellence de leur préparation en termes de matériel et physique. Donc ils sont au top du top. On verra ensuite qu'il y a d'autres problèmes qui se posent, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le déroulé du débat, mais en tout cas, derrière cette conjonction d'événements 2019, le record absolu d'ascension de l'Everest, 2021, le cadeau hivernal, la première des Népalais, et puis la démonstration que les touristes sont aujourd'hui, quand ils sont bien encadrés par ces gens népalais, capables de faire les 14 000 en 3 mois, on a quelque chose de très profond qui nous a raconté et qui peut être décrit par certains analystes, dont François de Mélenchon qui est là, comme une forme de décolonisation. Aujourd'hui, ces Népalais qui tiennent le business, ils attendent pas le moindre conseil, ni le moindre ordre, ni la moindre. Ils sont autonomes, ils font leur business, ils excellent en communication sur les réseaux sociaux, ils sont très très bons en marketing. Ils sont allés chercher des marchés que les Occidentaux n'ont jamais trouvés. Cette année, en 2024, les deux premières nationalités des clients sur les expéditions à l'Everest, ils sont 414. Hein, il y a 414 permis cette année. Les deux premières nationalités, ce sont les Chinois, et les Indiens. Les Chinois et les Indiens sont les clients les plus qui affluent le plus. Et ça, ce sont des clients qui ont été des marchés qui ont été pris par les Népalais, qui ont été conquis par les Népalais. Donc on a quelque chose d'assez fort qui se passe. Et derrière, on en parlera peut-être avec vous et avec ceux qui voudront réagir et poser des questions, un certain nombre de questions qui se posent sur est-ce que c'est encore de l'alpinisme, jusqu'où on peut aller sur une expédition commerciale, quelles sont les répercussions de ces méthodes lourdes sur l'environnement, sur l'économie locale, qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle génération d'acteurs népalais le jour où il y a une tempête, le jour où il y a quelque chose de compliqué qui se passe. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Chaque saison qui passe ces dernières années amène un nouveau lot d'histoire et un nouveau lot d'avancées et d'évolution. Pour vous en donner la toute dernière, ça s'est passé il y a un mois à l'Annapurna, l'agence népalaise, je crois que c'était Seven Summit Trek, ils sont allés chercher leurs clients au retour du sommet à l'Annapurna à quasiment à 8000 mètres en hélico. Il y avait un client malade, les autres ils étaient fatigués, ils en avaient un peu marre. Hélico, retour Katmandou. Donc là, on a une évolution absolument fondamentale de ce qu'est l'himalaïsme et de ce qu'est l'himalaïsme commercial. Voilà, c'est tout ça que je raconte dans ce livre. Ce livre, c'est pas du tout un pamphlet.
je me garde bien de juger, d'abord parce que je suis un observateur, je ne suis pas un acteur. Je cite, en revanche, un certain nombre d'acteurs qui ont des idées bien arrêtées et que j'ai essayé de replacer dans un débat. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui sur les 8000, et là je parle beaucoup du Népal, mais c'est aussi des choses très 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 intéressantes et très parfois préoccupantes sur les 5-8000 du Pakistan. Il se passe vraiment, l'histoire est en marche et elle va très 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 vite. Et on ne sait pas exactement où on va. Tashil Apka, c'est l'un des patrons d'une des agences qui grimpe et qui sont exactement dans la. Enfin, ils excellent sur les réseaux sociaux. Nimzdai, il a 3 millions de followers sur Instagram. Et ces gars-là, c'est cette jeune génération de Sherpa, ils sont très très forts. Et donc, ils n'ont aucun état d'âme à montrer la surpopulation du camp de base de l'Everest. Aujourd'hui, le camp de base de l'Everest, c'est 2000, 2500, 3000 personnes. Est-ce que tu peux nous parler de la progression de la fréquentation sur les 8000? La progression, elle est très progressive et elle s'accélère. Elle s'accélère vraiment ces dernières années. Le gouvernement népalais, il n'est pas très, très, très actif dans cette histoire. Là, on est vraiment pendant des dizaines d'années, sur le travail des agences occidentales, américaines, néo-zélandaises, les Français ont joué un rôle important aussi dans le développement. Et d'après ce que j'ai pu en comprendre, le rôle de l'État népalais, il est assez, assez faible. Aujourd'hui, l'État népalais, il encaisse des permis qui sont de, je crois, 5 000 pour le Manaslu, par exemple, 11 000 dollars pour l'Everest. Ça va passer à 15 000 dollars. Mais ils n'ont aucune intention de limiter. Le cadre étatique népalais est faible, c'est un État qui est faible. Aujourd'hui, les maîtres du jeu sont les patrons d'agence, ce sont les Népalais de cette nouvelle génération. Avec un dialogue qui a évolué dans les 15-20 dernières années, dans leur dialogue avec les patrons d'agence occidentales, on est sur un marché. En fait, l'Everest et les 8000 sont entrés dans un champ touristique, économique touristique, on va dire classique. Si ce n'est qu'il est extrêmement visible et extrêmement valorisé et qu'il joue un rôle symbolique énorme dans le monde entier, dans toutes les sociétés. Mais c'est d'abord quelque chose qui se passe sur le plan du marché. On est dans un business et je crois que l'État népalais est loin derrière, ce qui me semble. Après, il y en a qui savent mieux parler de moi que ça, mais voilà. Où en est aujourd'hui la formation des Sherpas pour la pratique de la haute montagne? Et en préambule, simplement, ce que vient de nous raconter Michel, c'est génial, parce qu'on se rend compte que la manière dont ça se passe aujourd'hui sur les 8000, les méthodes, ce que j'appelle le style népalais industriel, c'est la définition d'industrie, elle m'a été donnée d'ailleurs en bonne partie par Jean Hannequin, c'est vraiment la fille des méthodes. Il y a 3 jours, les premiers sommiteurs de l'Everest, c'est 8 Américains, encadrés par Mike Hamill, donc une agence américaine, qui elle-même est totalement, confie toute sa logistique à Tendi Sherpa et à l'agence Tag Népal. Donc il y a 8 clients, il y a 16 Sherpas, et il y a 2 guides occidentaux. L'oxygène, ils en ont au moins 5 ou 6 bouteilles, avec des débits beaucoup plus forts, ils prennent l'oxygène plus bas. Les cordes fixes, ça n'a pas changé. Par contre, elles ont été installées de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et beaucoup plus normée. Et donc, on est vraiment... Il y a effectivement juste la rationalisation, la maximisation de l'efficacité de toutes ces méthodes-là qui ont été posées par les pionniers dans les années 90. C'est Népalais qui accompagnent pas à pas et qui prennent soin de leurs clients et qui leur garantissent, pour certaines agences, avec le plus gros taux d'encadrement, une réussite quasiment de 100% et en moyenne une réussite de 70%, sont pour l'essentiel des Sherpas qui ont été formés sur le tas, qui ont une licence d'État, une pseudo-licence qui s'appelle la licence de Mountain Guide, mais qui ne correspond qu'à quelques semaines de formation. Et il y a, d'après Aung Norbu, que certains d'entre vous connaissent, à peu près 2500 de ces Sherpas, qui ne sont pas tous Sherpas. Aujourd'hui, on dit Sherpa pour décrire l'ensemble des travailleurs d'altitude, guides, climbing, Sherpas, etc. Mais il n'y a pas que des Sherpas, c'est majoritairement des Sherpas, mais il y a d'autres nationalités aujourd'hui. Donc ils sont à peu près 2500 en activité, c'est vraiment la louche, peut-être 3000, et il y en a 82 qui ont été formés à un standard qui se rapproche, je dis bien qui se rapproche de celui des guides français.
L'ENSA et certaines personnes ici dans cette salle ont été moteurs dans la mise en place de cette certification, de cette création de ce diplôme de guide reconnu par l'Union internationale des guides de montagne, l'UAGM, et qui sont portés par une association népalaise qui s'appelle NNMGA, l'association népalaise des guides de haute montagne. Ils sont 82 sur 3000. Ils sont, eux, sur un standard, notamment sur la question de sécurité, différent, mais la totalité des autres sont hyper efficaces, hyper efficients dans un cadre précis qui est celui des voies normales avec des cordes fixes et avec une gestion hyper carrée de la météo, les prévisions asiatiques les meilleures, les plus fines, une connaissance des capacités de leurs clients qui est vraiment, Jean pourra peut-être en témoigner. Mais la question qui se pose c'est et si on sort du cadre, si on sort de la voie normale, et si comme en 2008 au K2, un CERAC emmène les cordes fixes. Donc la majorité de la population qui est là, des clients, n'auront pas l'expérience pour s'en sortir tout seul. Le problème, c'est qu'une bonne partie de ces climbing Sherpas n'ont pas non plus les capacités de ramener leurs clients. Même les plus forts d'entre eux, on l'a vu à l'automne 2023, n'ont pas non plus tout le vécu, tout le travail qui a été construit lentement, patiemment et douloureusement par les guides français ou occidentaux du rapport au client. Au Shishapangma, à l'automne 2023, il y a une compétition entre les Américaines, il y en a une, c'est une Instagrammeuse, l'autre, c'est une aventurière, elles n'ont jamais fait de montagne, elles sont à 13, 14, elles ont fait 13 des 14 000 milles, et elles sont ensemble au pied de la même montagne, le Shishapangma, juste avant la fin de la saison, et pour les deux, l'objectif, c'est d'aller au sommet, et d'être la première Américaine à avoir fait les 14 000 milles. Elles sont encadrées par des guides népalais, ça va être une journée absolument terrible que je raconte dans mon bouquin. C'est une course à la mort. Ils sont tous morts, hein. Les deux femmes et les Sherpas qui les accompagnaient. À aucun moment, les Sherpas qui étaient eux-mêmes d'agences différentes, qui étaient eux-mêmes dans une compétition, n'ont pris conscience ou n'ont accepté de prendre en conscience le risque d'avalanche qui était maximal à ce moment-là, et comme ça a été décrit par des occidentaux spécialistes à ce moment-là. Et donc, il y a vraiment toute une question qui se pose sur à partir du moment où on monte 300, 400 personnes la même journée au sommet de l'Everest, on monte 200 personnes en l'espace de 3-4 jours sous le bottleneck du K2, absolument tous les professionnels que j'ai interrogés, à part certains Népalais, certains patrons d'agence, tous m'ont dit « on va avoir un jour une énorme catastrophe ». Donc c'est très inquiétant, ça fait partie des problématiques de ce sixième âge de l'himalayisme. Et voilà, il y a un énorme boulot à faire qui aujourd'hui n'est plus entre les mains. Si l'ENSA, les Suisses, les Français ont été moteurs dans la mise en place d'une formation, aujourd'hui c'est aux Népalais eux-mêmes de prendre en main leur destin. Est-ce que c'est un drame qui un jour va obliger le système à évoluer? Est-ce que c'est... Pour l'instant, on a un blocage total et une absence d'encouragement du milieu de la grande association d'alpinisme, la National Mountaineering, Nepal Mountaineering Association, NMA, qui bloque. Il n'y a pas de financement pour la formation de ces guides. On est face à quelque chose quand même d'assez fou, sachant qu'on continue à être sur cette courbe d'augmentation de fréquentation, et on va, de l'avis de tous les spécialistes, de tous les guides qui m'ont confié leur analyse, demain peut-être faire quelque chose de dramatique. Il ne faut vraiment pas le souhaiter. Les tentatives de régulation qui sont mises en place ces dernières années systématiquement tombent à l'eau. Et la course, la surenchère dans l'usage d'hélicoptères, dans le toujours plus vite et toujours plus fort et toujours plus de monde, continue. Et on se demande bien où est-ce qu'on va aller. Donc on a créé, nous les Occidentaux, les bases de ce business. On en a posé les fondamentaux, les Népalais aujourd'hui se sont appropriés, ils l'ont exporté au Pakistan, en laissant aucune place aux Pakistanais au passage, et il est très difficile de savoir où est-ce qu'ils vont. Un petit point de l'utilisation de l'hélicoptère sur les 8000. Point d'info juste là-dessus, c'est intéressant d'avoir ta vision, tu as totalement raison. Pour la première fois cette année à l'Everest,
la totalité du matériel nécessaire à l'équipement des camps supérieurs, la cuisine qui reste en place au camp 1 pendant toute la saison, avec des cuisiniers en place qui sont là, tout est passé par hélico cette année, pour la première fois, avec des hélicos et des drones. Donc ce sont des dizaines de rotations. Et on sait très bien, on a recueilli des témoignages ces dernières années de clients qui ont profité de ces rotations pour zapper l'icefall. Simplement aussi pour vous dire qu'aujourd'hui, les alpinistes, les clients, ils arrivent à réduire à trois allers-retours d'icefall par rapport aux dizaines que vous faisiez à votre époque. Et autre point d'info, simplement dire que effectivement la formation des guides certifiés EGM au Népal est donc gérée maintenant en propre par les Népalais, avec le soutien des Occidentaux sur des petites sessions, mais c'est vraiment fait au Népal sous l'égide de la NNMGA, et que le président de la NNMGA dit on en forme 4, 5, 6 par an, il en faudrait des centaines. Donc le dernier point d'info positif que je donne pour rebondir, c'est que heureusement, donc ils sont très 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 peu nombreux, mais heureusement ils diffusent aussi un petit peu leur culture auprès des autres. Mais ça va extrêmement doucement et ça ne suit pas la courbe d'évolution du nombre de guides. Peut-on faire de l'himalayisme en dehors des foules ? À titre individuel et sur le haut niveau, il y a plein de jeunes qui vont faire des trucs super, et c'est pas nouveau, ça date de 20, 30 ans sur les 6000, sur les 7000. Après, par exemple, Elias et Charles ont tenté d'aller faire un truc sympa sur un 8000. Ils sont repartis en courant parce qu'ils sont allés s'acclimater sur la voie normale, c'était au Manaslu, et ils sont partis en courant. Donc effectivement, sur les 8000, c'est compliqué. En revanche, il n'y a personne autour. Cette histoire, tout ce dont on parle là, ça se concentre sur quelques semaines. Dans quelques endroits précis sur ces voies normales, le reste du champ himalayen est totalement ouvert et immense. Et je crois que, voilà. Après, la question qui se pose, puisque c'était notre sujet ce soir et c'est le sujet de mon bouquin, c'est avec les clients, comment on fait, comment vous faites, vous ? Ça, c'est ta génération qui va pouvoir répondre à ça. Qu'est-ce qu'on invente de plus intelligent que la voie normale des 8000 ? De plus en plus, d'ailleurs, deux ou trois de suite. Hein, le produit en vogue, c'est le double head. C'est les deux, on vend deux sommets. Everest, c'est bien sûr, mais Everest, Makalu, le truc super tendance, c'est G1, G2, Broad Peak, voir les cinq Pakistanais d'un coup. Bon, ça, c'est développé par les Pakistanais. Certaines agences occidentales embrayent. Il y a aussi les produits développés par des agences occidentales. Ça, les Népalais ne sont pas encore très forts là-dessus, qui est la préacclimatation pour faire des Everest Flash ou des 8000 Flash en 15 jours, en faisant du travail en chambre hypoxique avant. On parlait de la demande, de la fascination des gens pour les 8000, mais qu'est-ce que vous serez capable, vous, d'inventer pour donner envie à vos clients de vous suivre, comme le fait peut-être Jean depuis des années, sur des 6000, des 7000 vous l'avez tous fait avant de faire vous avez emmené vos clients en trek, tout reste à inventer, le champ est ouvert et il n'y a pas de réponse à ta question pour aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les pros népalais, eux, ils sont prisonniers de ça, parce que c'est là où il y a la thune, c'est là où il y a la demande, c'est là où il y a la visibilité et c'est là où ils font de l'argent. Mais il y a, en tout cas, moi, j'en ai rencontré certains, des jeunes népalais qui rêvent de pouvoir faire autre chose, mais ils n'y arrivent pas. En fait, ils sont pris dans le machin. Tendi Sherpa, il n'est pas seulement guide, il est patron d'agence. Hein. Et il rêve d'avoir une agence pour aller faire du style alpin avec des clients sur les 6000 et les 7000. Pour l'instant, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à décoller de l'Everest, tout simplement parce que les contraintes économiques font qu'il n'arrive pas à décrocher de ça. C'est là où il y a la thune, c'est là où il y a la demande, c'est là où les gens se précipitent, et c'est là où sont les médias, c'est là où sont les... Il faut absolument que les guides népalais et les guides étrangers proposent autre chose que les 8000. Moi, je suis totalement d'accord. Je pense que les jeunes guides qui sont formés aujourd'hui à l'ENSA, ils vont aller vers ça. Après, on est sur quelque chose qui se passe au Népal, qui est très différent, où la pratique... Déjà, il n'y a toujours pas de guides... Enfin, mis à part cette poignée de guides qui sont capables de faire ça, n'oublions pas que l'immense majorité des guides népalais n'ont pas les capacités de faire cet alpinisme-là. Donc il va falloir qu'ils apprennent, qu'ils aient envie. Après, à titre purement personnel, qui est celui de journaliste,
et d'auteurs, je me dis qu'il y a un gros travail à faire aussi auprès des médias, auprès de la manière dont on présente. Et c'est aussi l'objectif de ce bouquin. Tout à fait franchement, je l'ai aussi pas mal écrit pour mes confrères. J'espère qu'ils vont le lire. J'espère que les gens vont comprendre qu'aujourd'hui, le produit qui est proposé sur les 8000 n'est purement et simplement plus de l'alpinisme. C'est une autre activité. Il y a plusieurs personnes parfaitement autorisées pour dire ça qui le disent en bouquin, que je cite longuement. On n'a pas de piolet, on n'a pas d'autonomie, on ne prend aucune décision, il n'y a aucun geste technique, il n'y a aucune prise de décision, de timing, de météo, il n'y a rien. Ce n'est pas l'activité qui nous réunit aussi ce soir, ce n'est plus de l'alpinisme, c'est autre chose. Donc il faut que la société aussi comprenne pour que peut-être demain, on ait au moins ici à notre échelle des clients qui ont envie de faire autre chose que les 8000, et puis que les Népalais fassent leur chemin, qui ne nous appartient plus, qui leur appartient, pour transformer aussi ce qu'ils sont capables d'offrir dans leur montagne fantastique, et qui, je l'espère, les fera vivre dans le siècle qui arrive. Théoriquement, ils ont quand même les moyens de développer une vraie économie, sauf que là, ils prennent pas tout à fait cette dimension-là. Il y a effectivement d'ores et déjà une crise profonde dans le Khumbu, qui est le prototype en fait, qui est le prototype de ce qui se passe ailleurs. C'est la cata, les lodges n'arrivent plus à vivre. Il y a trop de lodges, il y a trop de gens qui montent et qui descendent en hélico. Et pour finir par une pirouette, c'est absolument superbe ce récit du trek au camp de base de l'Everest dans les années 70 qui partait à Katmandou. Aujourd'hui, vous savez quel est le produit phare qui est vendu à Katmandou? C'est l'aller-retour en hélico en base de l'Everest, à la journée. $400. Bonheur, directement, du 4 étoiles au 4 étoiles, en aller-retour à la journée, on pose au Kalapata, on fait un selfie, éventuellement on s'arrête dans un resto, toujours le même, l'Everest, je sais plus quoi, View, là, machin, à l'Obuche, on mange une croûte, on reprend l'hélico, pose à l'Ocla pour refaire plein, on rentre, on a fait l'Everest. Une fois à la journée. Avec $500 par an. À la journée. Ça, c'est le most des nouveaux riches népalais. Voilà. Et pas seulement des. Alors, des oui. Bien, mais effectivement, on en est là. On en est là. C'est sans arrêt. Donc voilà. Et tout ça, c'est en l'espace de 40 ans. On est passé du trek pour le camp base de l'Everest. Du coup, ça prenait combien de temps, Claude? Ça prenait un mois et demi l'aller-retour au camp de base, le trek aller-retour au camp de base de l'Everest? Un mois? 3 mois. Putain, 3 mois. À l'aller-retour en hélico. On est bienvenue au 21e siècle.